Madame la euh, maire adjointe, monsieur le président du comité de bassin, cher Joël, mesdames et messieurs, chers amis, ça a eu plaisir que, en tant que président de la commission planification, euh, je vous adresse quelques mots pour vous dire euh, d'abord ma satisfaction euh, de voir euh, la question économique placée au centre euh, de nos débats sur l'eau demain. Euh, il y a quelques jours, euh, j'assistais à la COP 23 à Bonn et euh, j'ai pu mesurer à cette occasion les bouleversements climatiques qui nous attendent et les conséquences euh, de ces bouleversements euh, sur nos vies quotidiennes. Alors on a tous à l'esprit euh, ce qu'on a vu à travers les images cet été. Euh, des cyclones, des tempêtes, etc. Mais de manière sans doute un peu plus anodine, on sait qu'ici, dans notre bassin, en France, en Europe, on va être touché par ces phénomènes. Il suffit pour s'en convaincre de regarder l'état de sécheresse de l'Europe au moment où l'on parle. C'est vrai, je, je disais tout à l'heure que chaque fois qu'on organise une réunion sur l'eau, il pleut. Mais, mais n'empêche qu'aujourd'hui euh, les déficits euh, s'aggravent. On prend un pays comme le Portugal aujourd'hui, où 80% du territoire portugais est en situation de sécheresse. Alors l'une euh, des conclusions de, de la COP de Bonn, c'est de dire que s'il n'y a pas une mobilisation générale, au-delà des États, euh, des régions, des villes, pour s'engager dans ces questions de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique, on n'y arrivera pas. Ça c'est bien clair. Donc, c'est une mobilisation générale qui nous attend, car les scientifiques nous rappellent qu'aujourd'hui, on n'est pas sur l'accord de Paris à moins de 2 degrés en 2100, mais on est sur 4 à 5 degrés. Avec déjà ce qu'on vit. Alors, au moment où je vous parle, il y a encore beaucoup de départements de notre bassin qui sont encore en situation de déficit. Donc, vous imaginez que ces questions de quantité et de qualité d'eau vont devenir des questions cruciales du développement de nos territoires et de l'aménagement économique de nos territoires. Donc moi franchement je suis très heureux qu'on qu place la question économique au centre de ces questions. L'une des autres conclusions de bonne, c'est de dire qu'on ne peut pas imaginer demain de développer économiquement nos territoires si on n'intègre pas l'empreinte carbone et la question environnementale. Et on ne fera pas de développement économique sans préservation de la qualité des eaux et de la biodiversité. C'est une évidence. Et on a sans doute passé trop de temps à opposer écologie et économie. Aujourd'hui, on n'a plus le loisir de faire ça. La seule chose qui compte, c'est qu'on se comprenne et qu'on soit capable de faire évoluer nos systèmes. Et faire évoluer nos systèmes, c'est mettre ces questions au cœur du projet politique des territoires, dans le bon sens du terme. Concilier, réconcilier autour de ces questions. Parce que, comme ça a été dit par Joël tout à l'heure, les enjeux sont multiples. Et il a rappelé les enjeux du bassin, qu'ils soient agricoles, qu'ils soient touristiques, qu'ils soient énergétiques. Tous ces enjeux d'attractivité. Sont en lien direct avec la question de la disponibilité et de la qualité de la ressource en eau. Et plus que jamais, il va falloir concilier et réconcilier les acteurs autour de ce sujet. C'est d'ailleurs l'un des enjeux du futur âge, c'est l'un des enjeux du futur 11e programme, et c'est l'un des enjeux du plan de réadaptation au changement climatique qu'on a souhaité. Mettre en discussion ici. Non pas pour opposer, mais pour se comprendre et essayer de faire évoluer nos systèmes. Parce qu'il faudra faire évoluer nos systèmes, même économiques. Et ça ne peut se faire que dans la compréhension des choses. Donc, moi, je suis très heureux qu'on place l'économie au cœur de nos réflexions. Parce que comment imaginer un SDAG Comment imaginer un programme de mesure sans évaluation et sans être en capacité de mesurer les impacts sur les activités économiques. Le droit à l'eau, c'est le droit au développement. Même ici, où a priori on a de la ressource, et bien même ici, le droit à l'eau, en quantité et en qualité, c'est la capacité de pouvoir développer ou pas son territoire. Donc c'est un enjeu majeur. Et là, on ne peut pas faire seul. Il faut qu'on le fasse ensemble. Dans la compréhension, je l'ai dit. Et dans la compréhension, c'est de dire qu'il faut qu'on soit en capacité de voir les conséquences économiques et sociales des transitions. Parce qu'il y aura des transitions. On pense à la question de l'eau, bien sûr, mais on pense aux économies carbonées. Et on sait bien que sur ces sujets. Il va falloir aussi faire évoluer les systèmes. Et ça passe, je l'ai dit, par une compréhension. Donc, on aura plus de tensions sur la ressource parce qu'elle sera moins disponible. Météo France nous disait l'autre jour que peut-être qu'on pourrait garder la même pluviométrie, mais avec des épisodes sans doute beaucoup plus resserrés et beaucoup plus brutaux. Donc, comment on stocke la ressource, par exemple Comment on est capable de la gérer Et bien sûr, la question de la qualité. Parce que le droit au rejet, c'est le droit au développement, capacité puratoire. Donc voilà ce que je voulais vous dire en vous remerciant les uns les autres de votre participation. Je mesure bien que ce travail est une première étape et qu'il faudra sans doute qu'on puisse, en termes de méthode, la diffuser, voire l'expertiser plus en détail à travers des cas concrets. C'est sans doute ce qui nous sera proposé en fin d'après-midi. Mais en tout cas, cette première étape était déterminante. Encore une fois, si ça peut contribuer à, à libérer un peu la parole et libérer les postures sur le fait d'opposer développement économique, agriculture et économie et écologie, ben ça sera déjà un bon point pour tous. Merci.